Bonjour, je m'appelle Laurence Vincent, je suis artiste peintre et spécialisée dans le pastel animalier. Mais je fais aussi quelques portraits humains. Lorsque j'étais petite, j'ai toujours été attirée vers tout ce qui était travaux manuels et j'aimais beaucoup m'enfermer dans ma chambre pour aller dessiner. Et plus tard, par moi-même, j'ai commencé à faire un petit peu d'aquarelle, puis de l'acrylique, de l'huile et un petit peu de pastel, mais à ce moment-là, c'était pas du tout mon truc. Et il y a 4 ans, lorsque j'ai perdu mon petit cavalier King Charles, j'ai eu envie de reprendre mes bâtonnets pastels. Je l'ai dessiné et là j'étais emportée par un flux d'émotions, tellement le rendu, le réalisme, le velouté des couleurs, ça m'a vraiment transportée. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas lâché les crayons pastels et je me suis spécialisée là-dedans, dans l'animalier. Bon, bien sûr, il y a mon petit chien, le premier que j'ai fait, ça c'est sûr que j'ai un petit coup de cœur. Sinon, j'aime bien aussi le cheval, le perroquet. Mais il y en a plein d'autres, en fait, j'aime bien aussi. Déjà, faut aimer dessiner, être très observateur. Si on est autodidacte comme moi, bon, je commençais par regarder beaucoup de livres, des vidéos, il y a beaucoup de tutoriels. Il y a des magazines de pas à pas qui sont aussi très intéressants. Et puis pour le pastel animalier, il faut le goût du détail. Avoir de la patience parce que c'est beaucoup de petits traits. C'est assez minutieux, donc la patience. J'ai une page Facebook où j'ai toutes les photos de mes pastels. Et puis sinon, j'ai aussi un site internet qui s'appelle pastelanimalier.com où là, vous trouverez la galerie, mes tarifs, tout expliqué pour savoir comment passer commande. Et je vous parle aussi de mes outils, ce que j'utilise. Et bien sûr, vous trouverez comment me contacter.